Je rigole direct quand je mets la vidéo. Pourquoi? Parce que tu me fais rire. Pourquoi je te fais rire? Encore une fois, regarde. Je suis trop grand, plus grand que toi. Non mais elle s'est cru pour Tupac. Mais non, mais ça se fait pas. Moi je comprends pourquoi, elle dit ça. Non, je rigole. Allez, reviens. Merci. Coucou tout le monde. On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo en famille, puisque vous avez été nombreuses à nous demander une vidéo à 4. Du coup, on va grignoter, enfin ils vont grignoter parce que moi je suis un peu malade. Donc, je vais éviter de manger parce que j'ai trop mal au ventre. Du coup, mes chéris, Ah, tu me l'as mis dans l'œil. Ah, il m'a mis une bout de chips dans l'œil. Ça fait mal. Du coup, aujourd'hui on a décidé de faire une vidéo, on répond à vos méchants commentaires partie 3, parce qu'on a déjà fait 2 parties et vous avez kiffé, mais on n'a pas encore fait de partie en famille. Du coup, j'ai trouvé ça cool, puisque sur ma chaîne, je ferai toujours des vidéos où on répond aux méchants commentaires, parce que je trouve que c'est trop drôle en fait. Et encore une fois, vu que tout le monde s'en fout des méchants commentaires, bah, je trouve ça trop cool de les lire. Du coup, j'ai une application qui regroupe tous mes méchants commentaires. Là, ça va pas être difficile de les trouver. On a de la chance, on n'a pas trop de mauvais commentaires. Donc, merci beaucoup. Mais en tout cas, sur cette application, il va en avoir. J'ai pas regardé avant. Donc, on va découvrir ça. Mais avant ça, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram. Donc, je vous le mets juste ici. Parce que, comme je vous dis tout le temps, j'y suis tous les jours. Je vous partage plein de choses, etc. Et je vous mets le compte de Lilou et Swan en barre d'informations. Bon, c'est parti. Oui. On commence. Tu manges pas? Si, je viens de manger. Je m'appelle Valérie Paris, je suis en... Bref, il y a un commentaire dans la vidéo on teste l'ASMR et sa carnage, il y a quelqu'un qui dit c'est une gamine ta fille, elle a 11 ans et elle réagit comme une enfant. Faut quand même grandir un peu. Moi j'aimerais dire. Mais en même temps c'est une gamine. Ouais, bah après je suis d'accord que la nouvelle génération à cette heure-ci ils ont 11 ans. Ils pensent que c'est des dames. Mais vous êtes pas des dames en vrai. À 11 ans, vous êtes encore des gamines. Et c'est bien, il faut en profiter d'être des gamines. Ouais. Parce qu'après, quand vous allez grandir, vous allez savoir c'est quoi les problèmes d'adultes. Franchement, vous allez... Vrai. Encore surtout, là, c'est pas un prank. Elle fait trop sa belle, ta fille, que ta fille arrête les vidéos avec plein de points d'exclamation. Bah, vu que je t'aime, je vais pas en arrêter. Moi, je t'aime beaucoup, je veux prendre soin de toi, donc je vais pas en arrêter, je vais continuer de te faire rigoler, de te faire souffrir. Je peux chez moi le mot au revoir, mais merci. Donc là, on a un commentaire, il est trop pépite là. La meuf, elle dit à sa fille, fais pas de manière, alors que dès qu'elle a vu le criquet, elle faisait encore. Elle faisait corps, bah, parce qu'elle sait pas écrire français, elle a peur alors qu'ils sont morts, elle est vraiment con. Bah, tu sais. Non. En même temps, je voudrais bien vous y voir aussi, vous, à manger des insectes. C'est tout, quand je dis fais pas de manière, allez, fais pas de manière, c'était pour l'encourager à ce qu'elle les mange, tu vois quoi. En mode, allez, fais pas de manière, mange-les, mais je sais très bien que c'est pas trop facile de manger les insectes. Quoi, mais elle est vraiment con. Bah, excuse-moi. C'est bon du criquet. Ah mais... Tu sais, des fois, il faudrait que toi... Ah bah, dis que moi, je suis vraiment con. Alors là, on a un commentaire, et ça, c'est toujours les commentaires que je préfère, parce que c'est grave les commentaires de bipolarité, en fait. Il y a une personne, après c'est pas méchant, mais écoutez ce qu'elle dit. Bah justement, elle nous dit que c'est pas méchant, elle dit c'est pas méchant, mais je trouve que tu gâtes trop tes enfants. J'ai l'âge de Lilou et à Noël, j'ai eu que des livres. En même temps, entre parenthèses, j'ai commandé que ça, donc 3 petits points. Et Swan est chiant, voilà, c'est tout pour moi. Bah écoute... C'est trop chiant, hein. Elle se rend pas compte de la chance qu'elle a. Donc mettez-nous dans les commentaires si elle se rend pas compte de la chose qu'elle a, parce qu'elle... Non, c'est pas vrai. Elle fait des manières pour de l'argent à son âge. Donc je sais que je les gâte trop, mais ça va changer. En même temps, sur ça, t'as raison. T'es pas obligée de me poussionner dessus. Regardez les gens, je vous jure, elle m'a poussionné. Tiens, attends, il est où? Regardez. Regardez ce nourrin. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il y a pas de pièce, je veux pas encore manger ça. Bah. Et... Elle est chiante, Lilou, à faire du bruit. Oh, elle est chiante. Oh, oh. Non, mais t'es dégueulasse. Oh, regarde, t'as plein de gouttes d'eau. Non, mais t'abuses, je vais mettre du chocolat sur mon nouveau... Non, je suis gentil avec toi, j'arrête. Ah, il y a eu la pluie tout d'un coup dans... Oh, tu dégoûtes. J'ai pas mangé. Ils ont toujours un truc à dire, les gens. Franchement. Tout le temps. Ils sont toujours en train de piquer le petit truc, tu vois.
Mais bon, franchement. Maman. Non, il faut le dire. T'es pas obligé de faire piquer le petit truc. Il faut le dire que dans la vidéo, ça vous touche. Ça nous touche horriblement. Voilà. Toi aussi, arrêtez. Si tu dis pas que ça te touche aux méchants commentaires, vous êtes des méchants. Ils vont jamais être gentils, les gens. Vas-y, dis-le, arrêtez de nous insulter. Bon, Sohan est chiant à rapporter. Mais c'est pas méchant. Encore quelqu'un qui dit que tu rapportes. Hein. Dans tous les commentaires, tout le monde dit que tu rapportes. Et ça, c'est pas faux. Parce que lui, c'est une grosse. Ah ouais, mais comment on dit, c'est une grosse pookie. Pookie. Assis-toi, monsieur verre au cul. Hein? Non, non, attends, c'est comme si elle cassait sa caméra, elle cassait ta caméra et je le disais pas. À la base, entre frères et sœurs, on doit se soutenir, on doit pas se balancer. Bah, je le soutiens pas, moi. Pourquoi? À moi? Pourquoi tu la soutiens pas? T'aimes pas. T'aimes pas? Comment ça, t'aimes pas? J'aurais dû avoir une meilleure sœur. On dit tout le temps ça quand on est petit, maman. On dit tout le temps ça qu'on est petit mort. On dit ça, tu verras, tu l'aimeras ta soeur. Encore une fois, nous avons un commentaire des enfants pourri gâté. Pourri gâté. Tu sais ce que c'est? Et ça, c'était pour répondre au commentaire qui va suivre. Méchante mère, pauvre chou, Sohan et Lilou. C'est pas bon. Méchante mère. T'as mangé des criquets? Non, c'était dans shopping illimité parce que comme j'ai fait un prank en mode bah au final ils ont rien eu. Méchante mère, pauvre chou, Sohan et Lilou. Bah il faut savoir, soit ils sont pourri gâtés, soit ils sont je suis une méchante mère. Il faut savoir, faut vous mettre d'accord. T'es méchante. J'avoue des fois, mais j'avoue, j'aime bien des fois être méchante. J'aime bien leur faire des pranks. Comme quoi ils vont avoir des trucs au final ils ont rien, mais c'est trop bien, ça me fait trop rire. Je sais pas, j'aime trop. Mais bon, après maman s'est rattrapée parce qu'elle doit le suivre. Non, mais faut pas dire, laisser croire que c'est méchant. C'est un peu bizarre. Oh non. Mais maman s'est rattrapée en m'achetant deux. Enfin, d'un skin, tu lui as envoyé les deux sets que je voulais le plus. C'est un peu bizarre, hein. C'est un peu de perversité, ça, je pense. Ouais. Je crois que tu es un peu perverte quand même. Ouais. Oh. J'avais déjà remarqué. Mais pas perverte dans ce sens-là. Bon, tu veux la définition du mot pervers? Non. Merci. Non, mais. Perverti. Là, on a un autre commentaire qui dit: en plein régime, mais tu es toute maigre. En parlant de moi. Alors, si ça c'est être maigre, non. Franchement. Souvent, les personnes qui disent ça, c'est qu'ils ont 20 couches de peau. Dans ma vidéo, tu vois, où je parle de mon automutilation et tout, donc c'est une vidéo hyper sérieuse. Et tout. Franchement, j'ai grave de mal à la faire et tout, parce que ça m'a trop pris à cœur. Il y a une personne qui m'a dit: bonne vidéo, bien naze. C'est très gentil. Très marrant. C'est très gentil de votre part. Ceux qui disent de gros mots en commentaire, bah quand il y aura leur mère, ils vont pas dire ça. Hein. Je vois pas le rapport. Non, mais non, c'est pas moi. Alors exprime-toi. Un mauvais commentaire sur Sohan, donc du coup c'est rare qu'on ait un mauvais commentaire sur Sohan. Donc Sohan, il y a quelqu'un qui a dit: Sohan, il fait trop le guerrier, il est chiant, je parie qu'il a mal, mais il l'avoue pas. Il y a mal pourquoi? Mais je m'en fous. C'était dans la vidéo, on teste des objets de prank. Ils disent que tu fais trop le guerrier, genre que t'as pas mal et tout, mais en vrai t'as mal, mais tu veux pas l'avouer. Fais montrer. Bah, de 1, je fais pas mon guerrier parce que, bah, déjà, même si je fais mon guerrier, ça va me rapporter quoi en plus? Non, mais même si je fais mon guerrier, ça me rapporte quoi? Demande-leur. Allez, on a un commentaire, c'est trop drôle. On teste l'ASMR et sa carnage. Y'a quelqu'un qui a dit: c'est nul l'ASMR, vous recopiez les gens et déjà. C'est démodé, gros. Vas-y, ça pue la merde. Et le rire de ta fille, là, il est bizarre, vos mères, en fait. Oh là là là. Ça, c'est un enchaînement de haine. Et la fille, Orange Fun TV, elle est comme moi il y a 5 minutes. Elle est grave vénère, sérieux. Elle est tellement vénère qu'elle a craché tous les gros mots qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Là, ça, c'est la petite délinquante qui met la punaise sur la chaise de la prof. Hein. Oh. Ouais. C'était beau. Ouais. Ça fait trop rire. Ah maman, d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les autres en vrai? Bah, enchaînement de rage. Bonne réponse, cher enfant. Tu dis à nu en pleine vidéo, ma petite soeur vous regarde. À nu. Ah. Bah ouais, bah excuse-moi, à nu c'est la version polie de anus.
anus, c'est une partie du corps que tout le monde a. Donc c'est pas une grossièreté. Au bout d'un moment, excuse-moi, j'appelle un chat, hein. J'ai dit poliment un anus. Excuse-moi. Ta petite sœur, elle apprendra plus tard ce que c'est. Et je pense pas que ta mère elle va aller voir la prof en lui disant tu n'as pas honte, ma fille est dans beaucoup. Je sais pas, non mais sérieux. T'aurais dû dire un anneau. Un anneau. J'aurais dû appeler ça un anneau gastrique. Ah ouais, non. T'as un problème toi? Ouais, trop fissure. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Non. Tu aurais dû appeler ça comment? Quand tu sers les suites, là. Vas-y, quand tu sers les suites, c'est devant. Quand tu sers ta carte. Justement, là, on a une abonnée qui a été très franche, donc du coup, je l'applaudis. À trois, on l'applaudit tous. 1, 2, 3. Bravo à cette abonnée qui m'a mis un commentaire méchant, mais elle m'a dit en dessous de son commentaire méchant que c'est parce que je ne lui répondais pas sur Instagram. Elle m'a dit, c'est moche ta vidéo parce que tu ne parles pas avec moi sur Instagram. Ça n'a rien à voir. Bah voilà. Mais qu'est-ce que ça? Bah au moins elle a dit, c'est bien, tu as le droit de déverser ta haine, tu as le droit de te défouler sur ma vidéo. C'est énervant. Voilà. Mais je suis vraiment désolée, mais j'ai tellement de messages sur Instagram, j'aimerais bien tous vous répondre, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que ça a rien à voir? Par contre, j'essaie tout le temps de répondre à vos commentaires sur YouTube, déjà toutes les premières, etc. Ah ouais. Tu t'es refait les lèvres, c'est pas méchant. Moi j'aime pas tes lèvres et tu te la pètes. Voilà, bisous avec un cœur. Un cœur noir. Ah, les cœurs noirs. Bisous. Avec mes lèvres refaites. Avec mes lèvres refaites. Non mais attends. Bouge de canard. Deux saucisses collées. Deux saucisses collées, ouais. T'as un truc méchant qui me touche trop. T'es trop moche, on dirait Michael Jackson. Hein? Michael Jackson? Ouais, c'est vrai que t'as un air. Eh ben, Aiwoki va venir en dessous de ton lit ce soir. Je vous mets la photo ici d'Aiwoki. Prépare-toi, regarde, tu vois bien celui-là, tu le vois. Ce soir il va être en dessous de ton lit. Regarde si je te vois. Tu vas savoir c'est quoi ressemble à Michael Jackson. Mais j'avoue là, tu vois quand je mets la photo à côté, j'avoue que j'ai un air. J'avoue que j'ai un air. Le truc le plus pire au monde. Bon, ça il va coller sa tête à ta fenêtre de ta chambre. Il va coller sa tête. Voilà, fais-en pas de coller sa tête à la fenêtre de ta chambre. Bref, toujours dans la même vidéo, il y a quelqu'un qui m'a dit tu fais trop ta belle avec tes affaires de luxe, alors arrête de te la péter, ok? On adore se la péter. Franchement, vous devez être tellement frustrés de ne pas avoir d'affaires. Et vous inquiétez pas, vous aussi, quand vous allez grandir, vous allez pouvoir vous en acheter. Si vous travaillez dur, vous allez pouvoir vous en acheter. C'est pas un goal, en fait, d'avoir des affaires de luxe. C'est bien, c'est un plus dans la vie. Mais c'est pas ça qui fait le bonheur. Donc, je me la pète pas avec mes affaires de luxe du tout. J'en ai rien à faire. On a fait cette vidéo parce que on avait vu le texte sur YouTube et on trouvait ça drôle. Voilà. Vous avez juste à vous acheter un sac Babou. Vous prenez une étiquette. Ça, c'est un bon tuto. Voilà. Vas-y, fais-moi un tuto. Vous imprimez un truc Yves Saint Laurent. Vous prenez du scotch, vous le collez dessus. Ça fait un sac Yves Saint Laurent. Voilà, et vous serez moins frustré. Voilà. Vous serez moins frustré. Et pour 10 euros. Pour un babou. Les actus de Lilou. Les actus. On a un mauvais commentaire encore une fois pour Lilou. Lilou, en fait, c'est soit tout le monde la kiffe, soit on la déteste. Il n'y a jamais d'entre deux. Il y a quelqu'un qui a dit ta soeur elle est moche, surtout ses dents. Il nous appelle les enfants. Elle a 4 ans, elle fait sa belle. Parce que des fois, on a dit écoutez les enfants. Ils ont dit tu les appelles les enfants, t'as 4 ans. Tu moi, je vais du chat. Je sais me bagarrer. Il y a quelqu'un qui dit ça se voit que vous avez une vie de merde. Avouez. MDR, moi je vous propose que vous arrêtez YouTube. Surtout la grosse ta fille qui fait toujours la meuf. Et aussi ton fils, il est gay, dommage pour lui. Et la mère qui fait trop la femme. SOS famille a besoin d'aide. Bah toi, SPS. Mais vraiment, mais moi je suis gay, je ressemble même pas à un gay. Ah, parce que ça a des critères physiques d'être gay. C'est trop bizarre. Non mais d'où je suis gay? Dis-lui que t'as une copine à l'école. À son âge, il peut pas savoir. Il peut pas savoir s'il est gay ou pas. Mais et même, je vous ai dit. Il est raciste. Je vous ai dit même. Arrêtez de croire que être gay c'est un gros mot. Être gay c'est comme ça veut dire être joyeux. Voilà. Être gay ça veut dire être joyeux. Vous avez compris? De une. Et de deux non. Je vous rassure qu'on a une vie très bien. Elle a dit et ta fille la grosse qui fait toujours la meuf. Je t'aime moi aussi. Tellement nul. Mais
tellement nul que j'ai même pas envie de regarder ta vidéo. J'aime, mais voilà. Ça n'a pas de sens. Voilà, la réponse est là, ça n'a pas de sens. Mais c'est bizarre. C'est une bipolarité. Elle dit que c'est nul, mais elle est bien. C'est contre notre sujet. Elle dit j'aime, mais c'est nul. Bah ouais. Je comprends pas ce délire. Et quelqu'un m'a dit, tu ressembles à une girafe. Attends. Pouvoir magique. Je vais avoir le cou d'une girafe. J'ai déjà, j'ai pas besoin de pouvoir magique. J'ai pas compris. Merci, parce que monsieur me dit souvent que j'ai un grand cou, donc je prends ça pour un compliment. D'ailleurs, faut que tu te refais une petite extension. Non. Avec les deux derniers commentaires, mes chéris, parce que franchement, les autres, je vais les garder pour les prochaines séquences, parce que je veux trop laisser ça sur ma chaîne. On a quelqu'un qui dit, hein, tu fais pipi en premier, tu perds. Et c'est pas marrant du tout, je trouve ça méchant et je vais te signaler aux flics si tu continues. La police de YouTube ici. Oh, non. Je vais te signaler aux flics. Mais tu crois qu'ils vont faire quoi les flics en fait? Non, ils vont débarquer chez nous, ils vont faire... Allez, trop de nul aux enfants de faire pipi. Allez, à prison. Vas-y, les mains derrière mon dos, vas-y, les mains. Alerte au pipi retenu. J'ai de le dire. Ouais, écoutez, c'est sur Swan. Bon, lui, il est trop moche, mais ça, au bout d'un moment, on a compris. Hein, je pense. Je pense qu'on a compris qu'on est moche. De toute façon, pour percer dans le théâtre, il faut être moche. Donc, c'est bien. Swan, tes oreilles, on dirait celles des éléphants. De Dumbo. Bah, wow. Moi, au moins, j'ai des oreilles sans voler. Je peux voler jusqu'à un arc-en-ciel. Et même, je peux même voler les avions. Et là, on m'a manqué de respect encore une fois. Moi, je suis pas d'accord. Parce que dans ce commentaire, c'est Lilou, tu es trop moche, en plus tu fais trop ta meuf. Et Swan, tes oreilles, on dirait ça d'un éléphant. PS, Sandrine, je t'adore trop, tu es trop belle. Sandrine, à quelle heure? Je dis jamais que je m'appelle Sandrine dans mes vidéos. Donc la fille, elle m'appelle Sandrine. La fille, elle est conne et moche. Tu comprends? Non, ça se fait pas. Donc voilà, ma chérie, la vidéo est terminée. On espère sincèrement que ça vous aura plu, que vous aurez vu un peu l'envers de YouTube, parce qu'on n'a pas que des bons commentaires. Même si j'ai beaucoup plus de bons commentaires, j'ai aussi des mauvais commentaires. Au plus la communauté augmente, au plus j'ai des rageux, mais c'est pas grave. Du coup, ils me donnent matière pour faire mes vidéos. On répond aux méchants commentaires, donc ça, c'est cool. Du coup, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner comme d'habitude, à partager. Bref, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous y répondrai. Et que des bons commentaires, je veux que des bons commentaires sur cette vidéo. En attendant, on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Les petits pissous. Oh, les petits pissous. Les piou-piou. Les bons à la gare. Au revoir. Soyez dans le bien et pas dans le mal.